Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Raphaël Bluzet. Bonjour Raphaël. Salut Franck. Bienvenue à toi, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur behance.net/live/fr. Alors, pour les gens qui seraient avec nous du côté YouTube, je vous convie plutôt à cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans quelques instants, qui sera un lien sur Behance, comme ça vous pourrez nous suivre de ce côté-là, et moi ça me permettra de regarder les portfolios des uns des autres, me dire que tel ou tel artiste, tel ou tel personne qui nous suit est quelqu'un de potentiellement fort intéressant pour nous, et puis ça vous permet aussi de découvrir la communauté, de découvrir les autres utilisateurs de Behance. Puisque ces sessions, qui sont des sessions donc Adobe Live, elles ont lieu tous les jours à 14h. Je vous remets un petit peu le planning de ce qu'on a fait cette semaine, parce que c'était quand même plutôt sympathique. Lundi, on était en pause. C'est une bonne chose, les pauses de temps en temps. Mardi, à 14h, je vous ai fait une petite session InDesign et le packaging. À 16h, donc hier, j'ai reçu Kyle Webster, qui nous fait des sessions régulières maintenant pour nous présenter les différentes fonctions autour des brosses de Photoshop. Donc normalement vous devriez, n'hésitez pas à regarder à nouveau, parce qu'il nous fait du dessin en direct, il réagit aux commentaires de la communauté, et il donne plein d'idées sur la manière de se servir de tout ça. Demain, je reçois personne. Demain, je vous parle de tout ce qui se peut et tout ce qui peut se faire autour d'un Inktober ou d'une série d'illustrations ou d'une série de photos, et comment on va les retraiter dans Photoshop pour pouvoir les publier, par exemple, ou pouvoir en faire un album un petit peu plus complet. Et vendredi, ce sera au tour de Pauline pour le portfolio review. Et ce que je vais vous dire sur le portfolio review, qui est quand même un petit peu important et intéressant, c'est que on a un Discord en français. Et sur ce Discord en français, eh bien, vous allez pouvoir échanger avec nous, vous allez pouvoir échanger avec les différents artistes qui sont présents, avec les créas qui nous suivent depuis très très longtemps, et qui vont justement avoir cette familiarité, qui ont besoin peut-être d'avoir une revue de leur portfolio, de leurs différents travaux, etc., etc. Et ça, c'est avec Pauline, donc n'hésitez pas à jeter un œil au Discord. J'essaye de vous retrouver le lien, je vous le mets tout à l'heure, vous inquiétez pas, pour l'instant je suis pas hyper fort en lien aujourd'hui, un jour on sera beaucoup mieux. Mais revenons à nos moutons et revenons à notre sujet du jour. Raphaël, si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais, comment tu te définis en quelques mots? En quelques mots, bah, du coup je suis réalisateur et motion designer depuis 7 ans en freelance. Je fais de la vidéo depuis plus longtemps, mais c'était plus étudiant et amateur. Et du coup, voilà, ça fait 7 ans, je suis sur Paris. Et, je réalise des clips de la fiction en court-métrage pour le moment. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui. Et à la fois, j'ai une activité de commande avec des clients plutôt sur la partie motion. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est le moment où peut-être on partage ton écran, une page qui nous permettrait de comprendre, qui permettrait aux gens qui n'ont pas cliqué sur le bouton info de nous retrouver. Merci beaucoup à Alex pour le lien du Discord. Je n'arrivais pas à remettre la main dessus. Hop, je vais pouvoir le partager. Donc je partage ton écran. Tac. Et on est sur ton portfolio, c'est très bien. C'est un portfolio que tu as créé exprès pour l'événement? C'est un portfolio que tu partages? C'est quoi? Raconte-nous. Non, bah en fait, j'ai deux portfolios maintenant. J'ai vraiment décidé, niveau visibilité, de séparer l'activité artistique de l'activité de commande, notamment en termes de style, puisque en termes de style, en commande, c'est pas toujours ce qui me représente le plus. Voilà, donc j'ai vraiment décidé de séparer les deux. Donc là, il y a tous mes films, en gros, et clips récents. Du coup, il y a avec Shelter. Là, il y a des petites animations que j'avais faites récemment. Un clip animé. Je vais revenir en détail sur les choses. Les intuitives, donc une web série que j'ai développée. Wave Animals, un clip du coup tourné en images réelles. Du coup, pour information, du coup, je fais aussi bien de l'image réelle
que de l'image animée, l'image tournée que de l'image animée, et Cosmos, du coup, qui est un film d'animation pour lequel j'étais déjà venu en 2018. C'était 2018, Cosmos, quand tu nous avais fait toute une session. Si jamais vous êtes intéressé par Cosmos, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et on l'a trouvé vraiment cool, dans la description de la vidéo ici, que ce soit sur Beyond ou sur YouTube, vous verrez en bas, je vous ai mis le lien de la session Cosmos, donc dans After Effects, parce que c'était là qu'on avait démonté les contenus. Et vous pourrez retrouver tout ça et du coup, vous pourrez regarder d'où on vient et où on est arrivé maintenant en 2021, parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler de Egg Shelter, qui est ton dernier projet, et surtout ce que moi je trouvais vraiment cool et sur le fait de t'avoir aujourd'hui, c'est que Egg Shelter il sort demain en fait. Tout à fait. Donc il sort en ligne. Alors c'est un court métrage. C'est ça. Vous pouvez aller dans les cinémas, vous avez tout à fait le droit. Mais avant, regardez-le chez vous. Ceci dit, tu m'as dit qu'il allait sortir en salle, mais dans des festivals. Oui, voilà, il va être en festival en novembre en Angleterre et normalement à Pompidou le 18 novembre. Ah, c'est super. Dans le cadre des 24 heures de la création, si on n'a pas de mauvaise surprise due à l'actualité, comme vous pouvez le savoir. Tout va bien, c'est pas comme si on arrivait à planifier les choses pour de vrai. Ouais, donc pour le mois de novembre, il y a une belle activité pour le film, donc c'est chouette. Voilà. Très bien. Ouais, c'est super varié ton travail. C'est ça qui moi m'intéresse en fait, parce que comme tu le disais, t'as pas juste une casquette de réalisateur ou d'animateur ou de motion, il y a vraiment t'as une panoplie de boulot qui est assez folle dedans. Ouais, puis avec des collaborations diverses, et surtout, enfin moi ce qui est au centre de mon travail, c'est surtout le travail sur l'émotion et sur la narration en fait. C'est vraiment ce qui m'importe le plus, c'est de donner des émotions, et que ça peut être avec des images animées ou avec des images filmées. Du coup, c'est pour moi ça, le plus important, c'est pas forcément le médium, c'est la manière dont c'est dit et c'est les émotions que ça suscite, et c'est plus en ça que je définis mon style que sur un style visuel. Voilà. Pour faire une petite parenthèse, je montre rapidement mon portfolio client. C'est pas sur quoi on va s'attarder, mais voilà, ça c'est la partie du coup portfolio client, donc un lien qui est plutôt privé, enfin il n'est pas en ligne, mais voilà, ça montre les différents travaux pour des clients, donc divers et variés. Il y a l'URL ici, si vous voulez regarder un peu plus en détail. Oh là 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 là, mais non, rien, t'es fou. C'est en ligne ou c'est pas en ligne? Ah non, non, si, c'est des projets que j'ai le droit d'afficher, il n'y a aucun souci. Mais c'est juste que moi, je ne les mets pas en ligne, c'est pas pour des raisons de confidentialité, c'est pour des raisons de... Parce que j'ai des projets également qu'il y a des problèmes de confidentialité que je ne peux pas mettre en ligne. Du coup, C'est pour faire le distinguo entre des projets perso, dans lesquels tu mets toutes tes envies, ton style, ta forme, et des projets qui sont de la commande et qui te font vivre, mine de rien. Ben, dans lequel j'arrive des fois à mettre mon style, notamment par exemple pour Vinci, où là c'est plutôt mon style, c'est des génériques animés qui ont eu d'ailleurs récemment des prix stratégie, je crois, avec l'agence Sweet Punk. Voilà, c'est des choses un peu plus, dans mon style, que j'ai d'ailleurs fait sur Fresco. Bah tu vois. Voilà. Déjà sur l'animation sur Fresco ou pas encore? Non, pas encore, toi. Ça date un peu, quoi. voilà, c'est des génériques pour un documentaire. C'est un projet pour Cartier qui est jamais sorti, en fait, qu'ils ont commencé à diffuser, mais ils ont dit finalement, c'était pour des problèmes stratégiques, ils ne l'ont pas sorti. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Après, c'est toujours c'est justement peut-être la problématique entre des films sur lesquels toi, tu t'investis dans la partie créa, et des films qui sont des films de commande, et où au final, la diffusion dépend réellement du commanditaire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un petit peu pour faire un petit tour des projets... entre la commande et l'artistique.
Voilà, et maintenant on va parler de Hug Shelter, c'est pourquoi je viens, parce qu'il y a Ah beaucoup de bah choses à oui. dire. Ouais, parce que donc là, il y a un gros sujet, c'est que demain ce film sort sur, alors on a dit sur les plateformes, mais en fait c'est sur Vimeo principalement, Oui, c'est oui, ça. Et du coup donc le lien que vous voyez, enfin je vous ai mis un lien, je crois, vers la page du site de oui. Raphaël sur Eggshelter. Comme ça vous pourrez y revenir demain, et demain il y aura le lien du Vimeo. On le partagera évidemment sur les réseaux sociaux. Pour l'instant sur la page en question, on ne voit que le trailer du film, c'est ça, hein? Et d'ailleurs, Ouais, c'est ça. c'est peut-être bon qu'on regarde ce trailer. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, voilà, c'est pas mal. Hein, ce sera bien, ça fera la blague. Tiens, je me rends compte qu'il manque un petit truc ici. Et je m'en occupe dans un instant. Tac. 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 Et je vais surtout couper le son de notre. Enfin, je vais baisser le son du trailer pour être sûr qu'il soit pas coupé. Parce que ça, je l'ai pas fait en amont. Et nous, on sera en petit dans un coin de la page. Non, je vais nous mettre en bas. Pour ce projet, on sera mieux en bas. Comment ça, il y a de la tambouille interne? Évidemment qu'il y a de la tambouille interne. Comme on a un public sympathique, les gens sont prêts à patienter quelques secondes. Hop, je vous lance le trailer. Donc là, c'est l'histoire d'Hugo. Hugo, du dessin, de l'illustration. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous Regarde préférez que je cette vous vidéo, raconte? je te dirai Ou ce est-ce qu'on qu'elle se laisse vaut guider par quand la tu seras voix? grand. Ça reste entre nous, promis, hein? Promis. Cher public, guidez-nous. Allez, je dis plus rien. Tu as gardé le silence, alors je tiens ma promesse. La vie est faite de choix et tu en feras aussi. Dans un rythme toujours plus effréné, tu devras choisir ton boulot, ta famille, ton logement, tes convictions. Il y a une chose essentielle que tu dois savoir. Donc voilà le fameux trailer. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez suffisamment entendu? Est-ce que vous avez suffisamment entendu ce qu'on y racontait ou pas? À la limite, peut-être que toi, tu peux ouvrir la page de ton site sur laquelle on voit le. Le synopsis. Ouais. Ouais. Comme ça nous permettra d'avoir une base. Garde cette clé, je te dirai Donc du ce coup, qu'elle c'est, vaut pour quand la tu faire seras courte, grand. c'est euh, une Ça histoire reste entre entre nous, euh, un grand-père et un promis, hein, petit-fils, promis. dont un grand-père qui n'a pas un petit-fils qui n'a pas de parents, donc du coup, qui est élevé par son grand-père, et il est soudainement Tu as interpellé par gardé les le forces de l'ordre, silence. et son Alors grand-père, je avant tiens ma d'être promesse. interpellé, La vie est enfin, ils faite sont de interpellés par les choix, forces de l'ordre, et avant tu en d'être feras interpellé, aussi. lui confie une Dans un rythme clé, toujours. il lui dit de la garder, de rien dire, il lui dira ce qu'elle ouvre à sa majorité. Quand il sera majeur, donc à 18 ans. Et du coup, le film, il est entre deux époques, donc entre l'enfance et l'âge adulte. Et l'enfance, du coup, c'est tout traité en partie animation. Et l'âge adulte, du coup, quand Hugo a 18 ans, le personnage principal, c'est traité en film, du coup, en images réelles tournées. Et voilà, donc ça s'est déroulé sur 14 mois. Ça n'a pas pris 14 mois, mais ça s'est déroulé sur 14 mois, parce qu'il y a des choses qui se passent en parallèle dans une vie en 14 mois. Il y a eu plus de 4000 dessins réalisés sur la partie animation, c'était l'image par image. Il y a également d'autres techniques, ce qu'on va regarder un petit peu, 500 plans tournés. Il y a différentes techniques de film, il y a une partie qui a été tournée en équipe et une partie que j'ai tournée seule. Je vais y revenir aussi en détail après. Et voilà, sur la partie animation, ce qui est un peu commun, c'est qu'on n'était que deux. Donc, Jérôme Pastorello, dont je vais pas mal parler, puisqu'il a été très important, il a eu un rôle clé. Il est notamment intervenu dans les storyboards off sur la partie film, mais également un petit peu sur la partie animation et sur les caractères design. Donc, du coup, la conception des personnages, c'est lui qui a conçu le design des personnages. Parce que c'est vraiment une partie avec laquelle moi je suis pas du tout à l'aise de dessiner des personnages, c'est vraiment un métier, enfin, comme beaucoup de métiers de l'anime, que du coup j'ai dû faire par faute d'être en petite équipe, quoi. Du coup, voilà, c'est un projet qui a débuté en petite équipe, et les compositeurs, si je vais en parler, qui sont Faubourg et Yovo, qui ont été là dès l'écriture du projet, qui ont été vraiment
hyper essentiels et hyper, hyper présents, en fait. Ils ont été là tout le long, pour le coup, jusqu'à la finalisation du film. Et du coup, enfin, vraiment, il y a vraiment un travail narratif sur le son, sur la musique, parce qu'elle a vraiment été composée en parallèle de l'écriture, en parallèle de la production du film. On a même fait une résidence dans une maison au milieu de rien. On s'est enfermé, ils faisaient de la musique, moi de l'image. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un travail d'équipe, vraiment image et son. Et j'ai beau venir de l'image, j'attache une importance énorme sur le son qui pour moi constitue 50% d'un film autant que l'image. Quoi. Parce que du coup. Yovo, c'est avec eux que tu as fait le clip d'Iris, c'est ça ? Yovo, oui, ouais. Ça c'est un clip que j'ai fait pour un des co-compositeurs, à la suite du Shelter. Donc, j'ai fait ça pendant le confinement, Iris. C'est un morceau qu'il avait fait avant Shelter et qui, moi personnellement, j'ai eu un coup de cœur total sur ce morceau et du coup j'ai décidé de lui proposer un clip. Ouais. Aussi voilà, une manière de le remercier pour ce qu'il a fait sur le film, puisque bon, bah, c'est des projets où on ne se paye pas forcément. Il y a beaucoup d'investissements perso, plus que financiers dedans, c'est beaucoup de temps en fait. Après, on a été soutenus par la région Île-de-France, mais c'est venu après, sur la partie avant, on n'a pas été. Quoi. Voilà. J'ai Romain qui nous dit c'est sublime, le sujet est beaucoup trop intéressant pour que je me remette à bosser. C'est une bonne chose. Bienvenue. Désolé, Romain. Je voulais pas. Non, mais écoute, gens travailler. C'est pas grave, les gens couperont leur Instagram comme ils ont fait lundi et ça se passera très bien. Ils se remettront à bosser pour de vrai. Ouais. Voilà, donc là on voit toujours mon écran, c'est ça ? Ouais, on est toujours chez toi. Ouais. Du coup, bah, c'est ce que je disais. Ouais, j'ai préparé un peu des images quand même. C'est un peu de dernière minute que j'ai préparé. Ouais, t'inquiète, tout va bien. Ça va. C'est un sujet que tout va bien. Je veux dire, tu connais ton sujet et t'as réussi à faire un film. Donc si ça, c'est pas déjà une base de préparation, voilà, je pense que ça. normalement, on n'est pas trop mal. Ouais. Du coup, voilà, phase d'écriture, de recherche. Il y a eu plein de versions de scénario, ça c'est la caractérisation, donc vraiment caractériser les personnages, leur raconter une histoire qui n'apparaîtra pas forcément dans le film, mais c'est pour les rendre profonds et donner de la profondeur. Ça sert aussi au travail avec Jérôme de faire de la conception, en fait, dans sa conception de personnage. Je lui racontais qui étaient les personnages et du coup il les a conçus visuellement avec ça, quoi. Le scénario, du coup, bah, classique. Il y a eu des versions et des versions, plein de versions. il y a des retouches. Déjà de base quand on écrit. Et après, quand on joue avec les comédiens, on se rend compte que les textes qui sonnent mal, les situations, des scènes qui sont coupées, au montage, on se rend compte des choses. Enfin, l'écriture, ça intervient à trois niveaux. Au niveau d'écriture pure scénario, au niveau du tournage et au niveau du montage. Et c'est pour ça que le montage... Enfin, j'arrive pas à le lâcher parce que pour moi, c'est de l'écriture, quoi. Donc, c'est, on en parlera après, mais c'est le montage a vraiment un rôle important dans le film aussi. Voilà. Bon, ça, c'est un peu un brouillon, mais en gros, c'est ce que je fournis au compositeur, en fait. Ah, sur l'intensité du film. Ouais, sur les moments, les intensités du film. Il faudrait que je leur demande, mais je ne sais pas s'ils ont bien compris. Mais en tout cas, moi, ça me sert aussi au final. En plus, la structure du film, elle a bougé. J'avais fait un minutage à 10 minutes et le film dure 12 minutes. Donc, donc voilà, c'est pour leur montrer aussi l'intensité. C'est important quand on travaille avec des compositeurs, leur faire comprendre que le son n'est pas toujours présent. Enfin, il est toujours omniprésent, mais il a des moments où il va prendre le dessus de l'image et inversement, ça va être une sorte d'équilibre. En fait, aussi, travailler sur un film, c'est vraiment, j'ai l'impression que j'étais face à des fonctions des postes avec lesquels j'ai travaillé, notamment sur la partie film. C'est vraiment de jauger, en fait, chaque poste et de dire, voilà, là, cette partie-là, ça va prendre de l'importance, là, ça en prend moins. Et c'est vraiment toujours trouver une balance, que ce soit entre le visuel, le son, l'émotion du comédien, la musique, pour pas rentrer dans un truc trop mélodramatique ou pathos. Si on met trop de... Il y a des prises où le comédien il pleurait, je dis bah non,
trop. Donc on rejauge, en fait. Il y a vraiment un truc, c'est jauger, quoi. Pour être, avoir l'émotion juste, la narration juste, le cadre juste. Enfin, c'est vraiment tout du peaufinage, quand on, même sur le montage surtout, quoi, de travailler avec plein de personnes différentes, c'est hyper intéressant de voir un peu les différentes façons d'appréhender ça, quoi. Voilà. Après, ouais, il y avait ça. Du coup, c'était les premiers tests couleurs sur la partie anime où j'ai fait plein de tests. Alors, donc, c'est un peu le bordel. J'ai rajouté des œufs. Hein, t'as rajouté les œufs après. T'avais pas forcément les œufs en face. Non, je me suis dit, tiens, la photo est sympa, mais il manque un truc. J'ai rajouté des œufs, du coup, pour le Temec Shelter. T'avais pas ton œuvre en référence, mais ça veut dire aussi que les tests couleurs que tu faisais, c'était des tests papier avec de l'encre, avec de l'aquarelle, avec il y avait un peu d'aquarelle, mais il y a du digital aussi, il y a des trucs imprimés, il y a des tests avec et sans aquarelle. Ouais. En fait, en termes de production, c'est franchement 4000 dessins sur papier, c'est pas possible. Et surtout, l'aquarelle, c'est très très dur à gérer, il y a quand même un côté. Ouais, pour rester consistant dans le rendu. Ouais. Ouais. Gérer le flux d'eau, les trucs comme ça, c'est très très chaud. Et il se trouve que l'outil Adobe tombait pile parce que c'est le seul qui fait ça. C'était Sketch à l'époque. C'était Photoshop Sketch quand tu étais dessus, et Fresco était tout bébé à l'époque. Ouais, c'est ça, il était en bêta encore. Je me souviens, tu m'as envoyé les bêtas. Mais du coup, je ne pouvais pas produire dessus parce qu'il y a des trucs qui ne permettaient pas de produire, faire une grosse production dessus. J'ai tout peint dessus et l'aspect digital, c'est un gain de temps total. Il y a quand même une maîtrise qui est plus importante, tout en gardant, moi, ce que je recherche vraiment aussi, que ce soit en image filmée ou en image animée, c'est d'avoir une imperfection, un accident des traits qui bavent. J'aime pas ça m'intéresse pas, l'image trop plate, trop mécanique. Bah après, je le fais en commande, hein, sur des projets de commande. Je sais ce que veulent les clients. Ils veulent quelque chose des fois de clean, de propre. Et voilà. Mais moi, en termes artistiques personnels, sur mes projets, sur l'émotion, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc vraiment, je voulais garder ce côté perfection. Et le digital permet quand même d'avoir une certaine maîtrise, de pouvoir gommer, revenir en arrière. Et voilà. Donc, Est-ce qu'il y a eu beaucoup de plans que tu avais préparés en anime et que tu as soit refait, soit coupé au montage? Alors oui, il y a une séquence complète. En fait, il y a une séquence d'intro où l'enfant était chez l'orthoptiste. Mm-hmm. Et du coup, c'était juste une séance où, en fait, il faisait des tests avec les yeux comme ça. Et c'était pour un peu introduire le personnage. Et ça a été enregistré en son, ça a été monté, ça a été vraiment fini. Mmh. Ouais. Et au montage, en fait, je me suis dit, mais cette scène, en fait, on se demande ce qu'elle fait là. Ok. Je sais même pas. En fait, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai mis là? En fait, c'était juste pour faire une mise en contexte, et narrativement, en fait, ça valait rien. Ouais, et même émotionnellement, en fait, j'ai dit, tant pis, j'ai passé l'équivalent de 2 semaines dessus, ça part, quoi. C'est dur. T'as du storyboard quand tu fais ça? Comment ça se passe? Ouais, je vais vous montrer après un petit peu le en fait, j'ai travaillé. En fait, bon, le process, il est pas. Enfin, pour ceux qui connaissent vraiment le monde de l'animation, on est très loin des process de studio. du coup, déjà, rien que le fait d'être deux, ça casse complètement les codes. On n'est pas dans les maquettes, Tu fais pas 15 storyboards animatiques. Voilà, c'est ça. J'ai perdu le mot d'ailleurs, j'utilise tellement peu que j'ai perdu le mot. Layout, merci. Voilà, il n'y a pas eu de layout, de choses comme ça. En fait, il y a la partie. C'est pour ça, mon process est un process qui n'a absolument rien à voir avec le process des studios, des choses comme ça. C'est vraiment un process artisanal et un process de deux personnes. Donc, voilà. Je sais même plus où je voulais en venir du coup sur la du fait de faire et de refaire, du fait de comprendre un petit peu. Ah oui, de supprimer les scènes. Ce que je voulais dire, supprimer les scènes, c'est qu'il y a un moment, en fait, quand on est, c'est le problème d'être son propre monteur. C'est qu'en gros, un monteur, il va servir aussi à trancher entre guillemets. Enfin, c'est pas lui qui est décisionnaire du final cut normalement, mais en gros, il va servir à trancher et te dire non, cette scène, elle marche pas. Alors, quand en tant que fabricant du film, on a fabriqué le film, on a vu toutes les étapes, on dit tiens, cette scène, j'ai galéré à la faire et du coup, il faut absolument la mettre. Mais sur le produit final, elle ne résonne pas, elle ne va pas dans le film. Mm-hmm. En fait, il ne faut pas la mettre, quoi. D'accord. Et en fait, du coup, c'est ça quand on est monteur, quand on est son propre monteur, c'est se dire ok,
bah, faut que je sois impitoyable avec moi. Si ça marche pas, il faut que je l'enlève, en fait. Et malgré les deux semaines de boulot, malgré quand j'ai appuyé sur le bouton sup, je me suis dit oui, là en une seconde j'enlève deux semaines de taf, mais au final c'est pas grave. Enfin, c'est en fait ça fait partie aussi de tout ce qui se voit pas dans le film et qui a été fait, et que il y a des tas de choses que je dessine, que je fais, que je publie pas, que ça fait partie du laboratoire en fait, et c'est normal, hein, et c'est comme ça en fait. Après c'est pareil aussi quand certains bossent avec des comédiens et qui sont sur les longs métrages et qui sont complètement coupés au montage et qui comprennent pas, bah c'est la même chose en fait. Enfin, ouais. On le fait pour servir au film et pas à faire plaisir à chacun, quoi. C'est ça, c'est pas, on n'est pas là juste pour faire sa bande démo. Non, c'est ça, exactement. Voilà. Du coup, en fait, pareil, la partie animation, elle se divise en plusieurs parties. Il y a une partie un peu conceptuelle, l'intro est très conceptuelle avec le concept de l'œuf. Donc ça, ça a été, ça n'a pas été vraiment storyboardé, ça a été moodé, on va dire. C'est quoi moodé? En gros, ça a été, pardon pour les anglicismes. Non, mais c'est bien, mais c'est gros, juste. Non, ça a été en fait, j'ai pris des tas d'inspirations, des choses filmées aussi que j'ai filmées, et du coup, je les ai un peu assemblées et j'ai fait une intro par rapport à ça, quoi. Enfin, c'est très conceptuel en fait, c'est de l'abstraction. Donc en fait, je l'ai fait tout seul sans Jérôme puisqu'il n'y avait pas de caractère design dessus. Et du coup, ça a vraiment été fait sans storyboard. Après, avec Jérôme, on a travaillé du coup sur un storyboard. Jérôme qui est arrivé avec nous dans le chat du côté YouTube, mais je lui ai dit de regarder le lien pour qu'il vienne du côté Beyond, c'est qu'on puisse voir un peu ce qu'il fait. Je lui ai déjà montré regardez son travail. Enfin, il est. En fait, Jérôme, je vais pas le présenter à sa place, mais c'est une personne qui a fait la BD. T'es obligé, hein. Je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il me rattrape si je dis des bêtises. En gros, c'est une personne qui a fait de la BD et également du motion. Il a un profil qui est très varié. Il a un profil très varié. Voilà. Il vient du motion au départ. Ouais, il vient du motion, mais il est passé aussi par la BD. Donc, il a une vraie expertise dans le. On ne se connaît pas par le motion. Hein. Je l'ai connu par Insta en te voyant son taf. Moi, je le connais du motion, justement. C'était le spécialiste du sport et des lapins. C'est impressionnant. et du coup, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui sache dessiner vraiment les personnages, chose que je ne sais pas faire, pas bien. Donc, j'avais vraiment besoin. Enfin, c'est important aussi de connaître ses faiblesses et de dire voilà, ça, je ne sais pas faire, et il faut le déléguer à quelqu'un qui sait mieux le faire que moi. Ouais. Et ça va servir pareil au film, il n'y a pas de fierté à avoir là-dessus. Donc, c'est comme quelqu'un qui joue d'un instrument, et puis un musicien qui ne sait pas jouer d'un instrument, et qui sait un peu jouer de guitare, mais il vaut mieux prendre un guitariste et quelqu'un qui sache jouer, quoi. Donc, dans le groupe, c'est tellement mieux. Donc là, c'est pareil, là, il y a une vraie expertise dans le trait, et il a fait plein de. Moi, je lui ai fait un descriptif du coup des persos, et il m'a proposé, lui, ce qu'il voyait. Et après, donc, il m'a fait plein de propositions de visages. C'est la partie qui l'a poussé, parce qu'en fait, il m'avait fait plein de propositions. En plus, enfin, vraiment, c'est très impressionnant de le voir travailler parce qu'il bosse très vite et il dessine un peu comme il respire, quoi. Enfin, c'est super bizarre. Il a un rapport au dessin qui moi m'impressionne. Et du coup, voilà, il a fait plein de propositions. Plein de propositions de personnages. Et du coup, parmi eux, j'en ai sélectionné un, enfin plusieurs, et on a fait un mélange. En fait, je lui ai dit, là, il y a des parties qui m'intéressent sur ça. Là, si. En fait, il y avait des parties l'attitude, le corps, l'acting, ou simplement un nez, un truc. Voilà, donc on a mélangé un peu toutes ces références-là qu'il a faites. Voilà, dans ce personnage-là, c'était intéressant. J'aimais bien la silhouette, le petit foulard autour du cou. Là, il n'y avait rien de spécial qui m'intéressait parce qu'en fait, le grand-père, il avait un peu un rôle de. Un peu baroudeur, un peu gangster, voilà. Dans des trucs pas très clairs. Attention, t'as pas le droit de raconter l'histoire. Hein. Non, mais c'est le personnage. voilà, et du coup. Les persos. Et du coup, après, on est parti sur cette version qu'il a poussée, quoi. Il y a un travail de la ligne chez Jérôme qui est assez impressionnant. Ouais. Si c'était pas juste un vieux fan de Chaland, ça se... On saurait pas le dire. Mais j'essaye de le faire réagir dans le chat, mais je pense qu'il écoute plus, qu'il est reparti dessiner ou bosser. du coup,
le travail du coup sur sur Hugo l'enfant du coup parti sur celui-là qui du coup correspondait parfaitement. Je voulais pas qu'il y ait un trait trop surréaliste, que ça reste un peu des proportions un peu faussées, mais sans que ça soit trop cartoonesque, quoi. Après, ça allait quand même au niveau des yeux. Mais donc voilà. Ça, c'est du coup pour la partie recherche. Après, du coup, il y a la partie. En fait, on a un peu travaillé en vrac. En fait, je lui ai simplement dit de me poser les personnages, faire des posings en gros. Des persos dans les décors, donc voilà, il a fait des poses des personnages dans les décors, et après moi j'ai vraiment redessiné le trait et tout, donc je vais vous montrer un petit peu, je peux vous montrer peut-être plus tard, parce qu'en fait parallèlement, mais en fait je travaillais les du coup tout ce qui est décors. D'accord. Et ça, pour le coup, les décors, c'est toi tout seul, et les persos, c'est Jérôme. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est des trucs qui ont servi à rien. Il y a des choses qui n'ont même pas été utilisées pour le film, quoi. Du coup, ça a été dessiné sur l'iPad. Les nuages, les choses, le ciel un peu. J'ai essayé un peu de faire des. Tac. Après, voilà, il y a des planches un peu des différentes choses qui ont été faites sur l'iPad, de décors. Du coup, on est resté dans une bichromie, enfin trichromie, orange, jaune, violet, en gros, pourpre, quoi. Et du coup, voilà, c'est tout fait avec l'outil aquarelle. Je vais montrer un peu les process. J'ai fait des tests de couleurs, des textures. Voilà, c'est des tests purement texture. Ok, il y a une partie en fait, dans l'animation, il y a deux parties. Il y a une partie avec ses couleurs orange-bleu. Et il y a une partie vraiment plutôt onirique, pas bleu, pardon, orange-violet. Une partie onirique vraiment plus du coup dans les tons bleus, quoi. Vraiment bleu nuit. Donc c'est plus la partie rêve, souvenir. Et la partie. Non, la partie orange et violette, c'est la partie souvenir. La partie bleue, c'est plus la partie rêve fantasmé de l'enfant, quoi. Voilà. C'est assez fou justement que t'es. Enfin, c'est fou. C'est bien organisé. J'avais une question tout à l'heure sur le storyboard. Comment ça se mettait en place, quelle taille et autres. Mais toi, la partie du rythme que tu suggérais quand tu parlais de la musique au début, en fait, elle devient importante aussi sur les rythmes de couleurs, sur tes animations, sur les choix des moments, etc. Bien sûr, ouais, non, mais il y a un vrai. Enfin, il y a une autre partie du storyboard que j'ai pas là, mais en fait, en gros, il y avait quand même un storyboard complet de la partie anime. Mais c'était, voilà, c'est rythmé. Normalement, je travaille avec des animatiques. Donc là, je l'ai pareil, je l'ai pas. Et en gros, en fait, j'avais une version after avec l'animatique. Et petit à petit, en fait, cette animatique, je la mettais à jour, en gros, avec les vrais plans finis, quoi. Donc du coup, D'accord. c'était déjà rythmé, quoi. Et tu ouais, L'intro. tu complètes, t'avais déjà dès le début de ton film l'ensemble de l'animatique utilisable. Oui, c'est ça, ouais, j'utilisais l'animatique. Donc ça, c'est une animatique qui est faite sur Photoshop, du coup. Donc le trait est un peu rough, quoi. Mais du coup, en fait, j'ai gardé quasiment ce trait-là. Je ne l'ai pas trop cleané, parce que je voulais vraiment un trait qui est. Bah, dans le monde de l'anime, il dirait, ouais, il faut faire un clean et tout. Là, c'est vraiment le trait rough. Donc voilà, ça c'est pour la partie qui est en bleu, du coup. Là, on peut voir. Ah oui, à chaque fois, tu décomposes complètement ton animation. Ouais, en fait, après, j'importe ce qui est sur Photoshop, là. Ça, c'est fait sur Photoshop. Et après, du coup, je l'importe sur l'iPad. Donc, ça, c'est un screen de l'iPad, hein. Et du coup, après, je vais peindre directement dessus. Avec le pinceau aquarelle de l'époque Ouais, dans c'est ça. Photoshop Avec, Sketch. ouais. Et du coup, en fait, alors là, les couleurs, elles sont. Ça a été travaillé en négatif. Du coup, là, les couleurs, elles sont pas bonnes. En fait, c'est pas les vraies couleurs. Je les travaille en négatif. Après, je repasse en négatif. Alors ça, c'est pas perturbant. Bah, en fait, quand j'ai travaillé les couleurs avant pour savoir le négatif qui correspondait, j'avais déjà mes palettes, en fait. Et là, du coup, il y a toute l'anime. Et si on regarde un peu du coup, le process pour faire ce plan. Donc ça, c'est un truc vraiment que j'ai fait tout seul parce qu'il n'y a pas de chara-design.
Et du coup, voilà, la taxe accélérof qui est fait sur Photoshop. Et après, là, ça s'est peint, quoi. Comme je vous montrais tout à l'heure, ça s'est peint sur l'iPad. Là, c'est en frame par frame. Du coup, ils en ont 12,5 images par seconde. Et tac, après, je repasse en négatif, quoi, pour avoir D'accord, pour pouvoir avoir le vraiment le rendu. rendu que toi tu veux. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, c'est marrant ça. Ça, c'est un truc que tu as trouvé comme ça, c'est un truc que tu as cherché, que tu avais déjà. Parce qu'en fait, pour avoir l'écran qui bave, enfin le, en fait, c'est dur d'avoir de faire baver un peu sur des sombres, D'accord, ouais. avec l'outil en fait. Et du coup, j'étais obligé de, Tu as trouvé une technique pour que ça ouais, bave en fait, juste. j'étais Hein. obligé de que le premier trait, en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, mais le négatif pour que le clair soit en face premier trait quoi. Parce que partir du bleu, j'avais essayé, j'y arrivais pas en fait. Donc du coup, pour avoir le premier trait un peu baveux que. C'est peut-être un problème du logiciel, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que même sur papier, il y en a qui faisaient ça, des négatifs. J'étais obligé de passer par la partie négative, quoi. Peut-être un peu complexe, mais voilà. Et du coup, ça, c'est le résultat final, le bleu du film, quoi. Qu'on Nice. retrouve, du coup, sur toute la partie rêve. L'intro, en fait, elle est très dans le rêve et le concept du film. Et après, on rentre vraiment dans l'histoire, dans la narration, quoi. Vous verrez, le film sort demain soir, donc en ligne. C'est quoi demain soir? Il faut se préparer à 19h, à 21h? 19, 19h. ouais. Demain 19h, vous pourrez aller regarder tranquillement le film. On vous remettra un bout du trailer tout à l'heure parce que ça nous fait plaisir. Il y a DarkFX qui est arrivé en retard et qui dit on aimerait bien revoir une preview de l'animation. Je pense que là, avec tous les petits extraits d'animatique qu'on a eu, on est déjà pas mal pour Laquelle de comprendre. preview? Oui, Après, je sais pas, bah, il j'ai voulait vu voir autre preview, hein, j'en ai un petit plein. bout d'anime. Je pense que ça lui fait Ah. plaisir. Il a raison, hein, c'est assez cool. J'ai Delphine qui nous demande c'est quoi la différence entre animatique et stop motion? Ah, ça n'a rien à voir. Stop motion, c'est une technique à part entière. L'animatique, c'est un processus. En gros, c'est le storyboard bout à bout, mais avec des timings en fait de montage et des voix qui peuvent se caler dessus, la musique qui peut se caler dessus, mais c'est pas animé. Ouais. Et en fait, moi, au début, je pars de ce fichier-là et après, je l'incrémente Avec les vrais plans. avec les vrais plans. Et Ouais. le film se construit en fait petit à petit comme ça, quoi. Ouais. Ouais, parce que je pense que quand on pense stop motion, on voit du Wallace et Gromit, on voit du Patagraphe ou des choses comme ça. Et on peut aussi penser à des techniques à l'époque de c'était A, je crois, avec le clip complètement dessiné, tu sais, où il rentrait dans la bande dessinée, il partait en moto. Ah oui, Je sais ça me dit plus. quelque chose, ouais. Et ça doit être Take Me On Mais qui est ça comme date, ça. ça. Ouais, ça date carrément, mais pour le Ouais. coup, on était sur une animatique et une bande dessinée qui devenait vraiment un. Qui Ah oui, devait. d'accord. Ah Ouais. oui, ok. Ouais, je comprends du coup la confusion qu'on peut avoir par rapport à ça. Et du coup, Jérôme a répondu, l'animatique, c'est juste le storyboard animé, qui est un excellent résumé. Il est bien pour résumer ce garçon. Hein. Ouais. En cut. En cut, ouais, Voilà. c'est ça aussi, en cut, parce que ça, les transitions, Alors c'est ça, en encore une plus. autre histoire. Là, j'ai appelé ça animatique et c'est pas une animatique, c'est plus un mood tape en gros. Il y a des plans que j'ai fait enfin des plans où je me suis servi de la 3D. Par exemple, des fois, en fait, je me sers de toutes les techniques pour avoir des références des fois. Là, donc c'est hyper moche, hein. Mais en fait, ça m'a servi. En fait, je me suis pris une référence de main. Et tac, en fait, ça m'a servi pour faire le plan de l'œuf De qui se l'œuf. retourne et qui est écrasé, quoi. Ouais. Et en fait, bon, là, comme ça. C'est inexploitable, mais en fait, ça sert vraiment pour avoir les refs de mouvement caméra et tout, de main. Voilà. Et ça, je m'en suis servi. Du coup, il y a un mélange aussi de rotoscopie sur certains plans. Là, il y a des plans, voilà, où je montre comment partir du rough et que je dessine par-dessus, quoi, en accéléré. Hein. Là, il y a plusieurs heures de boulot. Enfin, C'est plusieurs fou heures, non, ça. plusieurs minutes. Alors, tu dis ça, il y a Pauline qui est avec nous et qui nous dit, j'allais en coworking avec Raphaël, je l'ai vu bosser sur ça pendant un an, j'ai lu la première version du script et c'est trop fou de voir le temps qu'il a passé dessus, et surtout avec le résultat fini, quoi, c'est. Ouais, y a du travail, c'est sûr. Ça a pris beaucoup de temps. Là, on voit un peu une overview de toutes les 4000 frames. Ah Enfin, ouais, ça ouais. c'était tes dossiers dans Photoshop Voilà, Sketch de bah toutes c'était. les Il ouais, y a illustrations. pas tout. Ouais, non, il n'y a pas tout, je crois. Il n'y a pas tout en plus. Ouais. C'est complètement dingue. Franck Fortuna nous dit, mais quel boulot de dingue. Oui.
Oui, c'est ça un peu. C'est un peu pour ça qu'on aime bien Raphaël, c'est parce qu'il a du boulot de dingue souvent. Ouais, donc ouais, du coup, il y a pas mal de plans. Après, je faisais un peu ça comme on peut faire du tricot des fois. C'est-à-dire que bah, je faisais des frames des fois. Enfin, tu réfléchis même pas quoi. Tu fais ça. Ouais. Tu fais avancer le dessin et tu te. Ouais, c'est ça. Ça c'est voilà, pareil. Ça c'est pour la colo, du coup. Ouais, du coup, tu te gardes une image de référence pour pas faire n'importe quoi. Ah bah ouais, non, j'avais besoin d'un squelette, quoi. Bah, c'est l'équivalent d'un clean, quoi. Clean colorisation, quoi. Et là, tu le fais avec les références des personnages que t'as dessiné, Jérôme. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Là, on voit, il y a son chara-design. Des fois, je prends des bouts. Là, il y a son perso. Du coup, sa main, elle allait pas. Du coup, j'ai dit, allez hop, j'ai mis la. Enfin, c'est plus loin, mais j'ai pris ma main pour faire la ref. Tac. Et puis, juste, voilà, c'est du. Là, ça déborde un peu, mais c'était recliné après. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Là, il y a. Alors, c'est quel plan qui est intéressant Ah, celui-là, il est marrant. Là, je me suis filmé pour avoir une ref, acteur studio. Voilà. Je précise que je suis non-fumeur. Du coup, je joue le fumeur. Écoute, tu t'en sors pas mal. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, du coup, bah, après, c'est pas vraiment de la roto parce que dans le sens où il faut réadapter au design et au style du personnage. Quoi, donc, ouais, celle-là qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, de dessiner chaque pétale en chaque image, donc ça c'est juste une image, ça prenait c'était 20 minutes par image à peu près. Punaise. Et pour faire l'effet d'éclosion, cet effet là, hop. Et ouais, ça avait pris pas mal de temps. Et Julien Lassota qui nous dit Jean-Patrick doublure, et Pauline qui nous dit qu'elle persiste à dire que les gens qui font de l'anime ont pas toute leur santé mentale. Non, c'est sûr. Du coup, j'ai aussi utilisé la 3D, par exemple. En fait, j'avais besoin d'une ref un peu de pour le Picasso, donc enfin la voiture, du coup, qui est un Citroën Picasso. Je sais pas si on dit un ou une. Et du coup, voilà, j'avais pris une voiture, un peu un modèle 3D pour me servir à des plans, des angles. Pour avoir, c'est mieux que de faire ça avec une vraie voiture pour avoir les bonnes perspectives. Et notamment, on travaillait là-dessus avec Jérôme pour placer les personnages à l'intérieur. Mmh. Voilà. Il y a aussi des plans qui ont été faits. Il y a un plan qui a été fait entièrement en 3D dans le film. D'accord. Du coup, c'est un peu un spoiler, mais en fait. Il y a une esthétique différente. Après, c'est un plan de la chambre, du coup. Et en fait, il y a toute sa vie qui défile. Et, il voit des plans, les moments de sa vie, notamment l'enfance, qui s'éloigne, quoi. C'était pour symboliser ça, quoi, la mort de l'enfance, quoi. Mmh. Et du coup, ça s'était fait en 3D et il y a eu de la texture du là du coup c'est ils sont offline les textures mais j'ai collé les peintures dessus quoi les traits de peinture aquarelle faits sur Sketch ils ont été collés dessus donc voilà en fait le but c'est d'utiliser je suis pas attaché à une technique j'ai pas un rapport puriste à l'animation je fais que de la 2D tradi sur papier tout ça en fait moi le but c'est comme je dis toujours c'est aller à l'émotion et aller à l'essentiel. Et du coup, je voulais vraiment même aller au sensoriel aussi, qui est vraiment une sensation de toucher. Et du coup, mon but, c'était vraiment que ça marche, en fait. Peu importe le process, j'ai pas de noblesse dans le process, c'est-à-dire que faut que ça marche. Ça marche à l'œil et c'est ce qui est plus important. L'important, c'est de faire le film, en fait. Mm-hmm. Après, les méthodes. Donc voilà, il y avait un peu de 3D sur ce plan.
Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans le chat déjà, parce que j'ai alors, beaucoup de il y a plein choses. de discussions, tu vois. Et alors, il y a Pauline qui nous dit, mais c'est trop fou le plan de fleurs là. C'est parce qu'en plus, moi, il me faisait penser à un des plans qu'elle avait fait aussi, il y a un certain temps. Myriam nous dit, je fais aussi beaucoup ça. Je me filme pour les références, je Ouais, transforme c'est différent. considérablement. Et du coup, il y a une quantité de vidéos d'elle ridicule sur son ordi. Ouais, j'en ai plein. Je les ai pas mis pour le live, mais pareil, c'est rempli là l'ordi Cool. de référence où je fais semblant de conduire sur ma chaise chez moi. Ah mais ça, je crois que c'est vraiment un truc d'animateur d'avoir ce genre de Ouais. plans et de petites vidéos en plus. À chaque fois qu'on en reçoit, il nous parle de ça et des vidéos. Enfin Faudrait des. faire une compile de tous les animateurs du monde, de tous leurs Écoute, awkward moments in animation référence, je sais pas quoi, c'est ça. sur un Ouais, je pense qu'on peut déjà faire une compile de ceux qui sont passés sur la chaîne parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Ouais, non, c'est chouette. La partie après, il y a eu la partie toute d'enregistrement, là, pardon, en studio. Ouais. Je suis Alors. désolé, je suis complètement passé du monde de l'anime du Ah, mais de toute façon, ouais, c'est que ça dans le film. Pendant 12 minutes, on passe de l'anime au réel. Enfin, Ouais. en tout cas, dans le trailer, c'est ce qu'on voit. Mmh. Ouais. Tiens, on a été rejoint par Yovo Music qui nous dit la corde a Ah. sauté. Ah oui. Ah oui. Oui, ça c'est sur Cosmos. En fait, on a besoin d'une ref. Les astronautes, ils font de la corde à sauter. Et du coup, C'est lui il qui faisait s'est il chargé faisait des petits d'être sauts. ce En fait, il devait faire cordiste. des petits sauts sur le sol. Ouais. Et c'est Ah, un trop bien. plan, on a passé. Franchement, je crois qu'on a rigolé une après-midi entière sur ce plan à le regarder, tellement c'était ridicule, quoi. Enfin, du coup, voilà. Bah, d'ailleurs, enfin, la scène qui était retransmise en animation, elle devait être aussi ridicule. Donc, mais c'était déjà drôle. Enfin, même encore plus drôle en filmé parce que c'est absurde. Il est sur sa terrasse en train de faire ça, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la partie anime. Donc j'ai travaillé avec des comédiens voix off. Du coup, le petit garçon là, Elliot, qui a déjà un très beau CV, qui a travaillé sur des longs métrages et Ah oui, quand même. depuis tout bébé. Il a même, en fait, il a commencé bébé à devenir acteur. Il a joué sur Ozon, je sais plus lequel. Il était bébé en fait. Et du coup, il a toujours joué. C'est marrant. Est-ce qu'il va Donc revenir sur ces images plus tard, comme pour la pochette de Nevermind? Genre, non, je voulais c'est pas faire ça. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié cette histoire. Oui, bah, du coup, bref, et là, c'est Albert Delpy, du coup, qui est un comédien assez connu et assez brillant, qui a vraiment apporté quelque chose d'énorme sur le film, par la voix, l'émotion qu'il a pu donner sur le film. Enfin, vraiment, je suis hyper content de ma collaboration avec lui, l'histoire lui parlait, donc ça s'est hyper bien passé. Du coup, on les a. Pour l'anecdote, du coup, c'est une scène où ils sont en voiture, donc on les a mis dans la disposition comme si c'était en voiture où ils parlent de Ah ouais, dos. du coup Ça tu peux paraît bizarre qu'ils récupérer soient même derrière les. lui. Donc voilà, là, ils sont dans la voiture sur cette scène. C'est marrant. DarkFX nous dit, tiens, d'ailleurs, le rendu 3D, est-ce que c'était direct du C4D? Est-ce que c'était externalisé? Ou est-ce qu'en fait Non, tu t'en es servi c'est du pour peindre C4D parce dessus en qu'en plus? fait, ouais, c'est juste j'ai plaqué les textures dessus en fait. Les textures peintes dessus directement quoi. Voilà, parce que c'était un plan assez complexe, et je dis en fait je vais passer par la 3D. En fait ça passe dans le film, ceux qui sont experts ils vont voir effectivement que c'est une esthétique différente. Et encore que ça, enfin je trouve que narrativement ça peut même coller parce que ça fait un peu une esthétique un peu jeu vidéo et en fait c'est une scène où ça va très vite et du coup enfin ça vite défile et on peut croire qu'en fait il repasse ce truc un peu en mode jeu vidéo, mais ça reste vraiment dans l'esthétique. Pour moi ça fonctionne, on voit que c'est différent, mais ça marche. Donc c'est plus important pour moi. Ouais, du coup, il y a eu aussi après, là c'est pour toute la partie anime. J'étais un peu vite dessus, mais en même temps, il y a encore toute la partie film à raconter. Donc Il y a un le film, paquet de trucs. j'avais prévu qu'il fasse moitié-moitié en termes de minutage. Il se trouve que la partie film a pris le dessus. Parce que sur la partie film, on a plus de flexibilité sur les allonges. En termes d'anime, j'ai pas pu bouger. Donc la partie anime, elle fait. Je crois qu'elle fait 4-5 minutes, je sais même plus. Et à la partie film, du coup, le film fait 11 minutes 55 et la partie film fait 6-7 minutes, quoi. Enfin, il faudrait que je voie les timings exacts. Après, en plus, il y a des plans qui réapparaissent à un moment et des fois, c'est mélangé. Donc voilà. Après, donc, il y a eu toute la partie tournage. Donc là, on est parti, on était 4 en anime et après, là, on s'est retrouvé plus de. En fait, il y a 25 personnes pour le tournage. Enfin, au total, sur le film, il y a plus de 25 personnes. Et pour le tournage, il y a eu pas mal de personnes.
Donc là, Jérôme est intervenu sur la partie tournage. Il a fait le storyboard rough parce que, pareil, les roughman, c'est vraiment un métier. Il a fait le rough animé du film. Le rough, pas animé, le rough storyboard de la partie storyboard du film. Du coup, là, on peut voir un peu quelques images. J'ai prévu de faire des. J'ai pas eu le temps là, mais de faire des. Je vais faire des posts sur Insta où je vais mettre en fait le plan storyboardé et À à côté du côté vrai du plan réel, ah, c'est plan chouette. final quoi. Et ça vraiment c'est un document typiquement que le chef op Jean-Thomas Miclot a vraiment apprécié parce que en fait il n'y a pas à lui dire ouais on va faire un cadre comme ça essayer de lui expliquer un truc. Voilà il y a Il l'image regarde, il a l'image, il a les flèches pour et les voilà c'est ça. changements de. Et donc du coup il sait où on va quoi. Et on est resté très fidèle au storyboard. Et donc il fait quand même du dessin, du décor, Jérôme. Bah là après c'est du sketch donc voilà après c'est ça reste c'est pas le décor du film parce qu'en plus après on faisait les repérages en même temps donc je disais ouais ça va pas forcément correspondre donc je dis va pas trop dans le détail pour pas trop embrouiller parce qu'en fait à la fois parallèlement on faisait les repérages les castings pour le rôle d'Hugo donc le rôle de la partie tournée d'Hugo adulte on a reçu 350 candidatures. Donc il a fallu filtrer. Sur les 350, on en a pris 10 qu'on a fait passer en casting réellement. J'ai travaillé avec du coup une directrice de production du coup qui m'a aidé sur toute la partie tournage qui a été essentielle vraiment. J'aurais jamais pu gérer sans elle quoi. C'était c'est enfin elle m'a vraiment aidé. Elle a aussi intervenu aussi sur la partie casting. Audrey Lenchantin, si t'es dans le coin, bah merci. Elle s'est investie à fond et tout. Voilà, donc ça c'est pour le storyboard. Je vais pas trop spoiler le film, mais bon. Non, 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 faut surtout pas. Non, Voilà. non, mais se spoil pas le film, on veut pas aller plus loin. Ouais. Non, 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 attends, moi je le regarde demain, tranquille. Après, donc du coup, il y a toute la partie repérage. Donc on a repéré les décors, tout ça. J'ai fait aussi du coup, il faut faire des moodboards un peu parallèlement pour le. Pour le chef-op. Donc, du coup, c'est vraiment montrer un peu les intentions de lumière, en fait. J'ai fait deux, trois annotations, mais en vrai, on a eu une vraie discussion sur le document, un peu voir comment on allait filmer ça, quoi. Jean-Thomas, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment agréable de travailler avec lui aussi parce que il a une vraie vision de chef-op, il reste vraiment concentré sur la lumière, il ne va pas intervenir sur la mise en scène. Il n'a pas le problème du chef-op qui fait de l'arrière en même temps. C'est-à-dire qu'il y a que le chef-op qui l'intéresse. C'est vraiment son truc. La lumière, les caméras, Ouais. l'optique, L'histoire et le les acteurs, cadre. non, il s'en fout Voilà. quoi. Il va pas. Non, ça lui plaît, mais je veux dire, il n'intervient pas là-dessus. Il a une vraie humilité, un vrai professionnalisme, en fait. Et c'est ça qui est agréable. Parce que souvent, on voit les clashs entre chef-op et réal. Ouais, non, mais il commence à parler aux comédiens, machin. Non, non, lui, enfin, il est vraiment concentré sur la lumière et sur tout l'aspect Le rendu, en d'optique. fait. Ouais, on a tourné avec une Alexa Mini, du coup, des optiques. Moi, je voulais une image un peu cassée, imparfaite. Je voulais pas qu'il piquait sur l'image du détail. Et du coup, on a tourné avec une Alexa Mini, des optiques Kowa, si je dis pas de bêtises. Ok, Du coup, c'est je les c'est t'aiderai pas. non, c'est des optiques du coup. Des vieilles optiques allemandes, non, des vieilles optiques japonaises restaurées par une société allemande. D'accord. Donc, du coup, ils ont travaillé un peu le travail sur les lentilles, mais ça fait une image un peu qui va un peu baver, qui va faire un peu des aberrations, mais sans que ça soit abusé, quoi. Enfin, enfin vraiment, il y a un beau rendu. Et c'est surtout du cinémascope, du coup. Donc, le cinémascope format un peu écrasé avec des bokeh, des lumières derrière qui vont être un peu squeezées. C'est une manière différente de travailler. J'avais jamais travaillé en scope. Et du coup, les rapports optiques sont plus les mêmes en fait. Les focales, elles sont complètement décalées. Un 50 scope, c'est pas pareil qu'un 50 sur un format classique. En plus, tout dépend de l'emplacement, parce qu'il y a un peu de disto. Donc, du coup, ça dépend de l'emplacement de l'acteur sur quel cadre il est. On peut jamais mettre trop bord cadre parce que ça lui déforme vraiment la tête. Donc, c'est tout des trucs de mise en scène, enfin ça joue aussi, mais le rendu vaut tellement le coup et ça correspondait tellement à ce que je voulais dire. Du coup, le film à la base, moi l'animation, je l'avais travaillé en 16:9 et du coup bon bah, ça m'a permis d'avoir une marge et du coup je l'ai repassé en scope pour être au format du film, ce qui n'était pas prévu. Jean-Thomas me dit ah, mais tu vas pas défoncer ton anime, enlever. Je dis non non mais c'est pas grave, il y a eu de la C'est marge pas de grave, c'était prévu. pas utile ces trucs que j'avais mis Donc... autour.
Et du coup, non, mais j'ai pu avoir un peu une marge un petit peu dedans pour éventuellement recadrer des plans sur la partie anime, quoi. Donc, voilà pour la partie. J'ai une question essentielle de Pauline qui me dit, mais comment est-ce que tu sais que ton idée, elle est tellement stylée que tu es prêt à bosser dessus pendant 2 ans de ta vie? Comment tu te décourages pas dans le process? Bah, après, je ne sais pas si mon idée était stylée, mais en fait, c'est un vrai besoin artistique, en fait, et c'était pas possible de pas le faire, en fait. C'est un film qui est très personnel, très intimiste, et que j'avais vraiment besoin de réaliser. C'était vraiment un besoin, et il n'y avait pas d'option de pas le faire ou de. Enfin, en fait, je réfléchissais pas de dire est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Je le faisais, en fait. Enfin, c'était. Et en fait, quand on a ces énergies-là aussi, les gens autour de vous, bah, ils vous suivent parce qu'on y croit, en fait. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Après, le résultat, au final, je peux rien faire pour le résultat. Enfin, si ça marche, si ça marche pas. Moi, ce que je veux, je voulais le faire et je l'ai fait. Et c'est au mieux faire un truc avec des erreurs. De toute façon, je connais aucun artiste réel ou quoi que ce soit qui dit ouais, mon film, à la fin, il est parfait. Ouais, c'est génial. C'est non. Tous les défauts, on les connaît évidemment. C'est, enfin, mais on peut rien faire. Il faut continuer d'avancer. Et le plus important, c'est de l'avoir fait. Et au final, les défauts que nous on voit, certains ne les voient pas. Sûr. Certains peuvent voir des défauts que nous on n'avait pas vus aussi. Hein. Ça peut, ça peut être l'inverse tout à fait. Mais en tout cas, le plus important, moi, ma plus grande fierté sur ce film, c'est que juste j'ai fait un film sincère que j'avais envie de faire et qui est honnête. Et voilà. Après, il a ses défauts. Il a des défauts technique, il a des défauts d'écriture, il a des défauts. Voilà, il peut pas être parfait en plus sur du format court métrage, mais je l'ai fait en fait. Et c'est juste bah, le plus important. C'est j'avais besoin de le faire. Et voilà. Carrément. Et Pierre qui me dit, j'imagine que c'est un mindset stay focus and confident. Donc garde le cap et continue Ouais. d'avoir confiance. Et Bah ouais, c'est non Julien. mais les doutes. Ouais. Pardon. Vas-y, vas-y, toi, là. Non, je disais les doutes. Bah, Ouais. les doutes, ils sont constamment présent. Enfin, j'ai passé. Enfin, à part la partie tournage où j'avais tellement mûri le projet, tellement travaillé l'écriture, tellement qu'en fait la partie tournage ça déroulait. Et de toute façon, on l'a fait en 2 jours le film en termes de tournage. Donc, gros équipe avec l'anime. Après, il y a une grosse prépa hein, quand même. On l'a bien préparé. Mais j'étais tellement sûr de ce que je voulais que ça allait en fait. Le tournage s'est bien passé en fait. Ça déroulait. Bon, il y a eu des incidents comme sur tous les tournages. La Normal. voiture qui s'est plantée dans la terre, on a dû la voiture bloquée, on a dû la pousser. Enfin, bon, voilà, c'est des trucs classiques quoi. Mais en tout cas, je voulais vraiment. Je sais même plus où je voulais en venir. Mais Mais en je tout sais cas, même ouais, plus où je voulais en sur venir. l'état d'esprit et sur le fait de le durer. Bah, du coup, peut-être que là, il y a un message de Julien à la Sota qui nous dit, l'échelle de temps n'est sûrement pas la même pour les photographes et les réals. Bah oui, c'est sûr. On fait 24 photos par seconde, quoi. Donc c'est pour la sur l'anime 12,5. Mais après Aussi. c'est moi j'aime en fait ah si c'est ça que je veux dire. Et c'est l'aspect c'est faire de l'endurance en fait tenir sur le long terme. Et c'est dur. Hein. Des fois on peut bosser 2 ans sur il y a des réals qui bossent 10 ans sur un film ils sortent ça marche pas. Et ils vont bosser un an enfin un minimum de 3 ans normalement sur les longs métrages. Et ils vont bosser 3 ans, truc normal, et ça va cartonner. En fait, il y a des questions de temporalité, des questions de. Mais après, c'est ce qui résonne en nous qui est le plus important aussi, quoi. C'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à la récompense finale, au résultat final, aux impacts que ça va avoir sur le spectateur, aux émotions qu'on va donner, aux vues, aux j'aime. Mais oui, mais enfin, faut être honnête, c'est aussi ce qui alimente les artistes aujourd'hui et qui les motive. Donc. Mais le plus important, c'est le plus grave, c'est de ne pas l'avoir fait en fait. Et je l'ai fait, on l'a fait, c'est cool. Est-ce que justement, par exemple, l'expérience du cosmos, en parlant du cosmos, c'est quoi le titre? We need to talk about cosmos. We need to talk about cosmos, pardon. Est-ce que l'expérience de We need to talk about cosmos, elle te sert là maintenant quand tu es juste avant la diffusion? Où c'est plus du tout le même rapport, c'est plus le même rythme, c'était des quelques années avant. Bah, Cosmos, c'est beaucoup moins perso, déjà.
C'est beaucoup moins intimiste. Je dis pas que j'ai fait un film personnel ou quoi que ce soit, mais un sujet qui me touche beaucoup plus. C'est beaucoup plus dans l'émotion, la profondeur. C'est très différent. Après, c'est plus la maturité aussi qui fait que bah, j'ai peut-être plus confiance en moi, je suis plus sûr de ce que je veux, de ce que je veux pas. Donc forcément, c'est peut-être plus l'âge que le. Après, pour moi, il y a deux âges. Il y a l'âge qu'on a sur la carte d'identité, il y a l'âge créatif, le nombre de projets qu'on a fait, ce qu'on a produit en fait. Donc il y a deux âges. Et je pense que voilà, j'ai pratiqué aussi, j'ai appris de mes erreurs, j'apprends encore de mes erreurs. Et c'est cool là. Enfin, j'ai travaillé aussi d'autres points là, parce que Excelter, ça date. Hein, et finalement, je l'ai fini il y a un petit moment déjà. Et j'ai eu des erreurs que j'ai faites et sur le film qui sont tout à fait normales. Et que du coup, j'ai travaillé aussi à la suite de ça pour m'améliorer, pour produire plus, quoi. Pour produire mieux, pardon. Et surtout, là, l'objectif prochain, c'est aussi de collaborer avec encore plus de personnes et de déléguer aussi les choses qui sont mes faiblesses et que j'ai pas forcément envie d'améliorer aussi. Voilà. Ouais, c'est bien ça, d'être capable justement d'avoir assez grandi pour te dire ça, c'est un point que voilà qui est pas fondamental et Oui, c'est que ça, voilà. pouvoir le déléguer, c'est important. Ouais, c'est très bien. Donc, j'en étais du coup les mots de lumière. Après, bon, bah, il ressemble absolument à rien parce qu'il n'y a pas les grilles, mais N'y a pas les petites grilles. ouais, c'est un découpage technique du coup qu'on communique à l'équipe. D'accord. Voilà, donc ça, c'est avec les plans, tout ça, les échelles de plans. Oui, parce que quand tu as 25 personnes sur ton plateau, il faut que ça avance, quoi. Alors ouais, sur le plateau, il n'y avait pas 25 personnes, on était plutôt 15, enfin une dizaine, moi ouais, je sais plus, une dizaine. Après, c'est surtout même sur la partie post-prod, sur la partie pré-prod, enfin il y a des gens qui, il y a pas le temps quoi. En fait, le truc sur la différence entre le tournage et l'anime, sur l'anime, je peux dire ah je sais pas, tiens je vais essayer ça, ah ça si. Sur un plateau, quand tu as quelqu'un qui te pose une question, tu peux pas lui dire je sais pas. C'est pas possible en fait. Et même si des fois au fond de toi tu sais pas, parce que c'est vrai des fois je sais pas en fait. Donc je dis on va essayer ça. Et C'est ça. du coup c'est vrai que c'est un rapport qui est complètement différent. J'ai l'impression de devoir porter une autre personnalité, d'être sûr en fait. Alors qu'au fond tous les créatifs, tous les artistes, ben, on est rempli de doutes et d'incertitudes. Mais quand on travaille en équipe et qu'on porte le projet, on est porteur de projet, on ne peut pas dire je sais pas en fait. On ne peut pas montrer ses doutes. À part peut-être au chef de poste plus proche, notamment l'assistante réal qui, elle, va plus être à l'écoute, qui était incroyable, enfin, Léonore Malinowski, qui est vraiment super. Elle voyait quand sur le moniteur je regardais et que je faisais un tout petit mimique. Genre, je montre un peu des images du tournage du coup, parce que c'est un peu approprié à ce qu'on dit. Quand je faisais un tout petit mimique, genre ah ça va pas, je le sens pas, enfin ou juste je me grattais, elle dit ah t'as fait là tel temps, et j'avais même oublié que j'avais fait. Elle dit il y a un truc qui t'a dérangé sur le plan. Et voilà. Honte à moi, j'ai pas parlé de Florian Collat du coup qui est le rôle principal du L'acteur, film, hein, Hugo. ouais. Hugo du coup, à qui on a fait un gros travail aussi de répète. Du coup on a passé beaucoup de temps ensemble en fait. Parce qu'en fait, il y a une partie, du coup, ça c'est la partie tournage vraiment équipe, et il y a une partie tournage, mais que nous deux. D'accord. En fait, où j'ai vraiment tourné des images du défilement de la vie du personnage. Du coup, je voulais des shoots un peu bruts, spontanés, qui vont un peu, tu vois, vite. Limite, si ça avait été filmé au portable, c'était pareil, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est filmé au portable. Et du coup, j'ai passé. On a passé, il y a eu 10 jours, enfin ça s'est déroulé sur 10 journées, ou je sais plus le nombre, peut-être 10 ou 12, où j'ai vraiment fait des plans de lui qui durent au final 1 seconde. C'est des plans hyper subliminaux, ça va super vite, mais au final j'ai des rushs des fois de genre de 15 minutes où je tourne avec lui. On fait des essais et tout, il y a de l'impro et tout. Et en fait, ça nous a permis aussi, ça a été fait du coup avant le vrai tournage, ça nous a permis en fait de faire des tests, d'apprendre à se connaître, d'essayer le rôle, tout ça quoi. Carrément. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au tournage.
Écoute, pour l'instant, j'en ai pas vu revenir. Non, non, on peut voir. Voilà, donc ça, c'est les photos un peu du tournage. T'avais engagé un photographe de plateau en plus, ou chacun s'y, voilà. S'y est collé à son iPhone? Non, oui, pardon, j'ai pas crédité mon cousin, Julien Lazota, qui est sur le chat en ce moment. Ah, mais oui, en plus. Il est photographe, et du coup, qui a fait les photos de plateau que je viens de faire défiler. C'est un peu dur avec tous les noms, des fois, de dire... Ah, ah oui, non, parce qu'il y a un palanquier, hein, tu disais 25, mais ça fait déjà beaucoup à retenir, beaucoup à citer. Ouais. Julien Lazota, si je dis pas de bêtises, il est passé avec Pauline. Ouais. Donc, ce sera l'occasion de découvrir le reste de son travail quand il fait pas de la photo de plateau. Parce qu'il fait. C'est la première fois qu'il le faisait, parce qu'il fait plus des photos artistiques. Mm-hmm. Et aller voir son travail, c'est très bien. Et voilà, donc ça, c'était pour la partie. Après, il y a eu toute la recherche. Enfin, ça, c'était avant, les accessoires. Donc, ça, c'est pas du vrai argent. C'est mm-hmm. C'est de l'argent du faux billet spécialement pour le film. Y a, voilà, la clé, enfin tout le travail avec la clé, j'ai dû la faire graver. Voilà, c'est tout un travail aussi d'accessoiriste du coup qu'on a fait avec la prod. Mm-hmm. J'ai des plans un peu vite fait, l'étalot. J'aurais pu avoir un fond plus sympa quand même, j'ai mis le fond de la 3D tout le long. voilà, la phase de mixage. Je peux vous montrer un peu le premier, du coup, peut-être pour... Okay. J'ai le premier qui traîne. Hop. Du coup, ça a été monté sur Premiere. Là, vous voyez, il y a tous les plans. Des plans un peu qui débordent. J'essaie de pas trop spoiler en même temps, mais ouais, ça va pas être simple. Tout le montage son. Et après, interdit du coup, de fait... montrer le film parce que comme c'est 12 minutes, t'as pas le temps d'oublier les trucs que t'as vus. Dis surtout d'ici demain. C'est un mode subliminal un peu. Là, il y a la partie anime qui a été importée directement dans. Dans le film. En première, en fait, qui était faite sur After. Je montrerai peut-être un peu la partie anime aussi, quoi. Ouais, où t'as compilé l'ensemble des dessins les uns après les autres et compléter l'animation After, enfin dessin puis After, et les prises de vue réelles. Mmh. Ouais, c'est ça. Là, on voit le travail d'étalonnage. Du coup, j'ai fait appel à l'étalonneur qui travaillait avec. Qui connaît bien le chez FOP, du coup, c'est souvent des binômes aussi, étalonnage chez FOP, hein, c'est très important. Donc, du coup, qui a travaillé sur l'étalonnage Hugo Rossello, ouais. Sur DaVinci, du coup, qui est un logiciel qui permet de faire pas mal d'étalos. Et voilà, moi j'ai travaillé sur les proxys pour ceux qui savent. Donc, les proxys, c'est les fichiers en basse def. En basse définition, pour éviter que ce soit trop lourd. Et après, lui, il a réétalonné sur... Là, on peut voir la dynamique d'image qu'on retrouve avec et sans nuage, quoi. Donc, voilà. Ouais, ça a été... C'était rezoomé dedans. Je sais plus les raisons, parce que je crois que c'est... En fait, c'était pas vraiment du scope, là, le format brut sur lequel je travaillais. C'était un format intermédiaire. Des fois, il croppe dedans. D'accord. Donc, voilà. Après, moi, c'était juste pour monter, d'avoir une référence. Voilà, on peut faire vite fait un petit tour sur After. Ça, c'est pour la partie anime. Regardez un petit peu ce qui a été fait. Et du coup, c'est pas trop mal rangé. C'est pas toujours le cas, mais là, vu que c'était fait sur le long terme, c'est pas trop mal rangé. Si jamais tu fais une pause dans le projet et que tu retrouves plus tes calques et ton organisation, ouais. Ça doit être le bazar, quoi. Ouais. Du coup, si on rentre dans les séquenciers, le compositing du coup des plans que j'importais depuis Sketch. Du coup, Sketch, je les envoyais en AirDrop, tac, image par image. Mm-hmm. Du coup, ils s'interprétaient en suite d'image. Alors des fois, il fallait que je fasse gaffe de pas faire d'erreur d'importer deux fois la même image parce que c'est une suite d'image et du coup, enfin, ça se voit direct, ça fait un saut, quoi. Et derrière, tu récupères une séquence PNG ou une séquence JPEG de. Ouais.
Après, bon, bah voilà, j'ai rajouté plein d'effets. Ça, c'est la version avec et sans effet, le négatif. Des effets de lueur diffuse, des effets de film un peu courbe, teint de saturation. Ça, c'est l'effet inversé. Voilà, c'est des effets un peu basiques. J'ai rajouté un filtre un peu bleu, comme ça. Souvent, c'était que des petits effets. Voilà, de... il y a eu un rétalo global fait sur le film, sur la partie anime. D'accord. Notamment, par exemple, sur les plans, je trouve, non, c'est pas dans la séquence 1, c'est les plans là. En fait, ils sont très blancs. Pour la diffusion en salle, les images très blanches, ça éblouit. Surtout qu'en plus, il y a des. En fait, ça renvoie du bleu, enfin, du sombre au blanc, et en fait, ça flash les gens si on fait ça, quoi. Donc, du coup, il a appliqué un. Là, on le voit pas, mais c'est la partie animé sur After, mais après lui il a rappliqué un filtre un peu pour que les blancs soient moins flash, quoi. Moins pétant, il a baissé les blancs, quoi. Ouais. Voilà, après sur After il y a c'est plus After, là il a vraiment plus servi du coup au compositing. Ouais. Compositing, c'est le mélange des différents plans, les transparences, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Que il a pas fait, j'ai pas fait d'anime sur After, quoi. Il a servi aussi sur les animatiques. Voilà. Là, on voit déjà j'ai appliqué un filtre, quelques effets pour récupérer les couleurs et plus. Mono. En fait, c'est tout. Je faisais que peaufiner tout le long, le fait que j'ai eu du temps jusqu'à la fin, même pendant la partie tournage. Des fois, je retouchais un peu des plans, des choses. Donc ça... Et là, après, ici, il y a quand même eu, par exemple, les mouvements de caméra. Là, il y a une caméra, il y a un mouvement de caméra pour faire juste la parallaxe, quoi, où je mets les éléments un petit peu en Z dans des espaces un peu différents. Mais en fait, dans l'idée, c'est vraiment que pour des petits plans de caméra, quoi. C'est pas de l'anime complexe, quoi. C'est vraiment du compositing. Ouais, et puis du coup, cette histoire de caméra, elle te permet de garder ton cadre et d'avoir un peu la main dessus en plus. De... Bah ouais, là, si je balade la caméra, là, il y a l'effet de parallaxe, quoi. On sent la perspective et la profondeur, quoi. Après, il y a les lignes du cadre. Ouais, t'avais anticipé tes dessins en conséquence. Ouais, en fait, les dessins, ils sont faits dans des calques séparés, avec une certaine marge pour pouvoir. Bien sûr, bah, je savais le mouvement qu'il allait avoir. Donc, ouais. Très bien. Et pour finir sur la partie. La partie pure promo. L'affiche avec Shelter. Voilà, qui est partie d'image du film. L'image du film. Qu'on va récupérer demain d'ailleurs. Donc demain, on peut voir tout ça. Ouais, et c'est disponible en ligne. Chouette. Voilà, j'ai été assez vite. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. C'est vrai que ça allait assez vite. Là, j'ai même fait une fonte avec Shelter. Ah oui, tu es allé jusque fabriquer une police de caractère directement pour... Un alphabet peint sur Fresco, et après je l'ai importé. J'ai fait... Du coup, il y a une fonte. Si j'ouvre un doc texte... Du coup, je ne sais pas si ça marche sur OpenOffice, mais normalement, si. Alors par contre, la typo a ses limites. Ouais. En fait, elle marche que en majuscule. Ok. Et après, c'est vraiment du truc basique, quoi. C'est pour voilà, c'est pour faire du titrage, quoi. Bah, on la retrouve sur le titre, quoi, là. Et puis après, je m'en suis servi sur d'autres choses. Voilà. C'est magique. Pour la typo, c'était quoi? C'était du Illustrator et Fontself, ou t'as fait autrement? Non, bah, je suis parti de typos un peu existantes et je les ai repaufinées en peignant dessus, quoi. D'accord. Pour avoir le côté un peu imparfait de la typo. J'ai une question fondamentale de Delphine qui nous dit: on pourra le voir où demain? Vimeo. Sur Vimeo, et du coup, bah, si vous avez besoin, vous regardez vous pourrez revenir, je vous ai mis les petits liens, raphaelbluzet.fr/eggshelter, parce que je suppose que le lien sera dessus demain. Ouais, c'est exactement, ça sera à jour. Pour l'instant, il y a le trailer, donc vous pouvez regarder. Sur les réseaux sociaux, je vais mettre un peu plus de process, un peu décomposé d'images, tout ça. Donc ça, c'est pour ça que vous avez toute la description.
où on vous raconte ça. Il y a l'Instagram de Raphaël qui est disponible aussi, si vous voulez suivre tout ça. Hop, je vous mets son Instagram. Et comme ça, demain, vous pourriez y aller, mais sans problème. Ouais, je peux ouvrir un peu des PSD. Ah, vas-y. Parce qu'en fait, du coup, les refs animés sont faits sur Photoshop. Mmh. C'est quoi, c'est anime dessin ou tu y es allé à la main? Non, ah oui, à la main, oui, j'ai pas utilisé le fameux. T'as pas utilisé la petite extension magique? Non. T'es fou. Donc, là, si on met. Si on met la pelure d'oignon, mmh. Tac, on voit toutes les. Toutes les frames qui sont les unes ouais. Au-dessus des autres. Ouais. Du coup, ça. C'est courageux. Et après, du coup, c'est je réimporte dans Fresco. C'est ça aussi, c'est toutes les étapes d'import qui sont un peu compliquées pour repeindre. Mais l'outil, enfin Sketch, pardon, pas Fresco. L'outil Sketch, en fait, il y a que dans les outils de dessin, c'était le seul à faire de l'aquarelle à l'époque, et je crois encore maintenant avec autant de détails et de finesse, d'aléatoire aussi, parce que ouais, je pense que c'est ça qui est marrant de dedans. Ouais. C'est, alors pour le coup, ils ont vraiment pris la suite avec Fresco sur les mélanges des encres et des aquarelles qui sont assez fous. Je sais pas si dans le public vous avez tous testé un petit peu Fresco, ceux qui sont équipés de tablettes. C'est marrant de le voir comme ça avec la pelure d'oignon. Ouais, ça fait un peu chelou, mais. Du coup, je ne sais pas s'il reste pas beaucoup de temps, mais je pourrais montrer éventuellement Iris, un process sur Iris, sur de la typo que j'avais fait. C'est... Vas-y. Alors, est-ce que je lance le film ou le début du film d'Iris? On a un petit extrait. Iris, du coup, c'est avec Philippe. Il est en scope aussi, Iris, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, 16-9. 16-9, alors 16-9, je le mets sur le côté. Et je vais baisser le son, comme ça on discute dessus. Tac. On le voit en même temps qu'on voit mon écran, c'est ça ? Maintenant, ouais. Enfin, on voit plus ton écran. On voit Iris qui est en train de tourner la main et le miroir de l'âme. On voit plus ton écran. Donc t'as le temps de chercher, de ranger. Et Iris, pareil, donc un film sur le piano, sur la musique. Du coup, c'était Yovo qui était avec nous tout à l'heure. Je sais pas s'ils sont encore là. Ouais. Et l'idée, c'était de réaliser un clip là-dessus. Sur l'histoire de la main... L'histoire de la vie, de la naissance à la mort à travers les mains, en fait. C'est pareil. Ça a été fait après avec Shelter. Ok. Du coup, tu avais rodé ta palette, tu avais rodé ton dessin. Ouais, c'est ça. Et le trait, sur certains plans, je le trouve quand même meilleur en termes d'exécution purement graphique, quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est... Je voulais juste vous montrer, en fait, l'intro, okay. Du coup le texte animé carrément d'intro, j'ai travaillé avec une calligraphe qui s'appelle Gabrielle Fétin. Pareil, elle est sur son travail, elle est vraiment spécialisée là-dedans, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et en fait, du coup, ça c'est un scanner de sa calligraphie, donc c'est pas fait sur Photoshop, c'est vraiment fait avec les outils de calligraphie. Papier, encre et tout ça. Tout à fait, ouais. Et en fait, j'ai rechopé le style de trait pour l'animer, du coup, pareil, en image par image, tout sur Photoshop. Jamila qui aime beaucoup. Et que Yovo est toujours là avec nous. Alors, en gros, c'est... Je suis parti de son trait et j'ai chopé un brush, je crois que c'est les brushes de Kyle d'ailleurs, qui était avec toi hier. Ouais, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense. Du coup, faire un effet un peu rebondissant comme ça. Et ça veut dire qu'à chaque image, tu redessines les lettres pour pouvoir tirer le... Je vais réactiver la pelure d'oignon, mais... Ben voilà, si tu regardes un peu... Moi, ça rame à mort parce qu'en fait, du coup, je faisais un calque par mot. Ouais. Voilà. Voilà, c'était un petit process. En fait, du coup, les outils, je les utilise assez différemment, que ce soit
Photoshop pour la Nimtra, de plus faire du sketch ou avoir des plans. Et là, par exemple, ça, si à l'époque de Fresco, c'était sorti, j'aurais utilisé ça directement sur Fresco avec la timeline, quoi. Ouais. Et là, après, c'est... Tu ne compliques pas la vie juste pour le plaisir de se compliquer la vie. C'est... Ah non, c'est clair. Après, je vais à l'essentiel. Hein. C'est toujours l'idée, je chope l'astuce la plus simple. Et dès qu'un truc ne marche pas, bah, j'essaie une autre technique. Et puis voilà, quoi. J'essaie d'avoir une palette de techniques assez différente pour pouvoir m'exprimer et faire les choses, quoi. Après, du coup, des petits plans de making of d'Iris aussi, sur la peinture en négatif, là, notamment. Là, pour la rêve, j'ai travaillé avec un pianiste qui s'appelle David Cadouche, qui est pianiste professionnel et qui a... J'avais besoin vraiment de la gestuelle, la bonne référence de gestuelle. Et du coup, j'ai repassé, là, j'ai fait de la rotoscopie sur ses mains. Voilà. Là, c'est la peinture faite là, c'était sketch aussi encore. D'accord. J'avais besoin de ce rendu. Là, c'est un plan, par exemple, qu'on a tourné. Et du coup, tac, après, pareil, c'est repassé. Ouais, celui-là, il doit être super complexe si tu l'avais fait sans référence. Ouais, non, c'est pas possible. Tac, après un peu de compositing, j'ajoute des nuages, tout ça. En fait, il y a beaucoup de taf de compositing aussi sur celui-là. Voilà. Non, mais c'est super, c'est vraiment cool. De pouvoir revoir justement, et pareil. Sur Iris, il y a moins de dessins, il n'y en a que 1006 ou 1004, je ne sais plus. C'était assez long. C'est ça, il n'y a que 1000 dessins. Ah, ça fait 3 minutes. J'ai déjà du mal à en faire 31 en octobre. Alors. Après, c'est pas pareil. C'est pas du concept là, c'est plus de la production. Donc, on produit des images sans réfléchir. Une fois que le rough il est fait, on se cale dessus. Quoi. Une fois que la ref elle est posée, c'est vraiment. C'est un peu limite, ça vide la tête comme de la couture. Quoi. On est en mode. On dessine des images. Voilà. Il y a Mohamed qui nous dit c'est beau vos animes, vos techniques me donnent plein d'idées. Enfin, me donne des idées, en tout cas. Ça offre des portes peut-être différentes sur les schémas un peu plus tradis, qui va être les outils d'animation. Comme, je les oublie parce que je les utilise tellement peu. Toon Boon ou... Ouais, bah, de toute façon, on veut Animate dessus. Animate, non, je ne pensais pas Animate, je pensais à des outils pas Adobe. Ah bah, alors ça, je t'aiderai pas. Du coup, je me souviens plus. Et c'est juste de la mauvaise foi en plus. Voilà. Il y a Pierre qui nous dit d'ailleurs, Anime Dessin n'a plus l'air de marcher avec Photoshop. Et je viens de tester, ça marche très bien. Par contre, c'est vrai que l'installation d'Anime Dessin nécessite de passer par l'installeur d'Anastasia. Et du coup, ça veut dire qu'il faut lire un chouïa le mode d'emploi. Mais par contre, une fois que vous l'avez, c'est vraiment cool. Un clic pour régler la pelure d'oignon et pour travailler dessus, ça aurait pu te faire gagner un petit peu d'oeil. Ça aurait pu te faire gagner des clics, parce que Pauline nous dit, ouais, au niveau de folie et de temps qu'il y a passé, je crois qu'il est plus à 2 clics près. Ah, mais 2 clics près sur une production, c'est énorme. 2 clics près sur 4000 dessins, ça fait quand même 8000 clics. Et mine de rien, du coup, 8000 clics, essayez de les faire, vous allez voir, ça prend un certain temps. Ça t'aurait bien gagné une journée tranquille. Ouais, c'est clair. Thierry nous dit, ce gars est trop génial, vu le temps passé sur tous les logiciels, a-t-il le temps de dormir ? Si je dors bien, non, enfin, je faisais des insomnies des fois au milieu de la nuit, et puis en fait, du coup, je n'arrivais pas à dormir, je dis, bah, je vais faire des frames, quoi. Tant pis. Bravo. Mais du coup, non, non, ça va, j'ai une hygiène de vie, nickel, hein, tout va bien, je suis en bonne santé. Parfait. Et le but, c'est de s'entourer, je ne vais pas faire une vie comme ça, c'est pas long-termiste, et on peut pas. En fait, là, j'arrive aussi à une limite au niveau des projets où je ne peux pas aller plus loin que ça, et passer 14 mois sur un 12 minutes. J'aurais pu passer beaucoup moins de temps si j'avais une équipe. L'équipe que j'ai eue sur la partie film, elle était très bien. Franchement, il manquait peut-être un poste en déco et en accessoires, mais sinon ça va. Mais sur la partie anime, il manquait 10 personnes, quoi. C'est ça. Donc, ouais, c'est-à-dire que t'étais à la fois le réalisateur, le storyboarder, le chef animateur, l'intervalliste, t'as fait tous les postes. Ouais, ouais.
un peu avec Jérôme aussi sur bah, Jérôme, il a été essentiel. Hein. Surtout quand on est deux, on sent vite la présence de l'autre, quoi, qui est très utile. Donc, ouais. Mais du coup, voilà, pour un peu l'actu du film, il va être en compétition internationale à la Estetica, pas à Londres, à York, pardon, en Angleterre. Et ça va être, il va être diffusé normalement à Pompidou, je crois que je l'ai déjà dit, mais au mois de novembre, dans le cadre des 24 heures de la création. C'est chouette. Donc voilà. Écoute, bravo, merci beaucoup, merci à toi. Merci à tous dans le chat, vous avez été pas mal nombreux à échanger, à discuter avec nous. Je suis ravi d'avoir vu passer Jérôme et Yovo qui étaient avec nous. Si jamais vous êtes d'autres, ouais. Julien Lasota qui était là aussi pour les, ouais. pour les photos. Donc si toute l'équipe du film est dans le chat, c'est le moment de vous manifester. Et s'il vous reste une dernière petite question, bah, dites-nous, hein, parce que vous étiez... Vous étiez quelques-uns à avoir des choses à raconter. Moi, je vais nous remettre le petit déroulé planning de ce qu'on a dans la semaine. Donc aujourd'hui, c'était Raphaël, mercredi, 14h. Demain, je vous parle de flux de production sur Photoshop. Comment traiter vos dessins ou vos illustrations en masse pour, bah, pourquoi pas, convertir un Inktober perso en un bouquin ou en, un groupe. Jérôme nous dit « J'ai rien glandé comparé à Raphaël. Ouais. » Ouais, mais il a été essentiel. Enfin, c'est... Les choses qu'il a fait, elles sont clés sur le projet, vraiment. C'est sûr qu'en termes de masse de travail, oui, c'est pas la même chose, mais sur ce qu'il a fait, puis c'est aussi toute son expérience qu'il a derrière, qui a permis de, toutes ces années de travail aussi qu'il a fait aussi là pour arriver à ce niveau-là aussi, quoi. Il y a Nadine qui me dit j'ai vraiment hâte de voir le film demain. Bravo Raphaël et merci de partager ton workflow, c'est super intéressant. Merci. Pierre nous dit magnifique trailer en tout cas, hâte de voir le film. Jamila nous dit bravo, merci, c'était top, ça a trop donné la pêche à Pauline. Ben, c'est une bonne heure pour avoir la pêche. Yovo nous demande prochain projet. Ah, bah, je suis sur un truc que je peux pas trop parler, mais coup c'est parce que c'est pas sûr. Bah, tu reviendras, voilà, tu reviendras quand ce sera fait. Voilà, je reviendrai quand ça sera fait, mais c'est pour un musée, c'est une commission pour un musée. Voilà. Eh ben. Je ne dirai pas lequel et je ne dirai pas quoi. C'est ça, vous avez déjà beaucoup trop d'infos. Christophe nous dit merci vraiment, excellent travail. Merci pour le partage, nous dit Pierre. Merci pour le partage de ton workflow, c'est passionnant. Bonne journée à tous. Alors je suppose que vous allez tous trouver la manière de mettre des likes sur la vidéo et surtout demain de repartager, parce que vous avez tous vu tout le process. On a essayé de ne pas vous mettre trop de spoil pour que vous puissiez profiter. J'ai spoilé en vrai. J'ai spoilé. Ouais, mais est-ce que les gens ont été attentifs à ce point? Est-ce que non, ça va faire des images subliminales inscrites et qui vont. Est-ce que ça va leur gâcher tout? Je sais pas. Je ne crois pas. En tout cas, vous regarderez. Ah, Yovo est déçu. Il dit qu'il aura essayé. Mais oui, c'est bien d'essayer. C'est important. En tout cas, mettez des likes, abonnez-vous, venez, suivez-nous, revenez. Et surtout, surtout, regardez Egg Shelter demain et parlez-en autour de vous pour que bah, ce soit cool. Et que ça soit vu. Ben que ce soit donc n'hésitez pas à partager, c'est le film en a besoin. Merci à tous. Et nous, donc demain, flux de production, et vendredi, c'est Portfolio Review. Si vous voulez participer au Portfolio... Oula, c'est dur à dire. Si vous voulez participer au Portfolio Review avec Pauline, ce sera via le Discord que vous pourrez la contacter. Vous mettez un petit mot de présentation de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez partager. Tout est dispo en replay de toute façon, donc on a déjà des portfolio reviews des sessions précédentes, vous pourrez regarder à quoi ça ressemble, vous verrez qu'on est, des portfolio reviewers positifs et bienveillants, même si on se dit les choses franchement quand, quand on a des choses à raconter. Et bises à tous, merci à toi Raphaël. Merci Franck, merci à tous. À très bientôt, bye. Salut. Bye, soyez sages, profitez bien.